bienvenue encore dans ce nouvel épisode de la Véville. Donc nous avons les pommiers, plein d'arbres. Donc, ce que je voulais voir, c'est est-ce que je peux les forcer à récolter du bois, voilà. Donc, planted trees, c'est cela. Et j'ai dit planted trees et du planted pine tree, si je ne me trompe pas. Non, je n'ai que du planted tree. Alors, planted pine tree. Donc, planted pine tree, on va en demander toujours 5 en stock. Et du planted tree, on va toujours en demander 15 en stock. Voilà, donc comme ça, normalement, ils vont automatiquement aller casser des arbres de temps en temps. Donc voilà, je leur ai fait rajouter du blé parce que, comme je l'ai dit précédemment, quand il y a plus de blé, eh bien c'est bien. Donc, ce qu'il fallait faire pour... C'est quoi ça? C'est du gravier, du sable... J'aime beaucoup le fait que l'on puisse maintenant scroller au clavier. Ça, je dois vous dire que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc je suis en train de chercher du blé sauvage pour rajouter dans mes champs de blé que vous avez vu en haut qui ne sont pas tous encore occupés. Et donc encore un peu de blé sauvage ici. Voilà. Alors là j'ai une vache ici. Est-ce que par un très grand hasard, voilà, il y en a d'autres ici, donc je vais pouvoir faire des petits trucs avec des vaches dedans. Ah, lui il n'a pas mangé. Pourtant j'ai des pommes. Alors pourquoi ils ne veulent pas manger des pommes? Pourtant c'est très bien de manger des pommes. Bon. Alors. Ah oui, mais bien sûr, si je ne vais pas comme il faut, forcément ils ne vont pas pouvoir avoir de chambre. Donc là, je vais construire des chambres pour les petits vitoyens. Donc vous voyez que d'abord je fais des petites chambres de 4x4 et ensuite je vais les lier à la route. Donc comme ça, ça me permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus symétrique. Bien que je sois tout à fait d'accord avec vous, hein, vous allez me dire que c'est pas du tout symétrique et galère, que c'est pas du tout symétrique pour le moment. Je suis tout à fait d'accord et tout à fait conscient du fait que ça, c'est pas très cohérent de dire que je veux faire des trucs symétriques avec ce que j'ai. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Je rajoute des petites chambres. Voici. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, on va avoir plein de petits troglodytes qui vont avoir leur chambre. Bon, certes, ils vont avoir des murs en boue. Hein, mais est-ce que c'est important pour eux? Nous allons dire que non. Hein? On va décider que c'est pas important du tout qu'ils aient des murs en boue et que ça fera très 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 bien l'affaire. Ah, je peux... Oh, j'ai envie d'essayer ça. Qu'est-ce que ça va donc faire? Si je lui demande de... Comment? De labourer la terre. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir faire? Bon. En attendant, moi je vais supprimer ça. Parce que là, en fait, je vais rajouter... Ici, je vais mettre des barils... Je voulais mettre une chambre effectivement au début, mais là je viens d'y penser tout de suite que pourquoi je ne mettrais pas des barils de matériaux. Et comme ça, ça me permettra de m'affranchir d'une partie de mes problèmes. Donc normalement avec tout ce qu'ils ont ici, ils devraient pouvoir faire des barils. Donc, du blé. J'attends un petit peu puisqu'il est possible que ça soit déjà fait. Et bien entendu, encore une fois, j'ai complètement oublié de regarder l'heure à laquelle j'ai commencé à tourner. Bon, en même temps, je pense que j'ai arrêté de vous le dire, puisque vous devez savoir déjà que, de base, j'oublie complètement de regarder l'heure dès que je commence à faire quelque chose. Donc, hop, voilà. On va leur demander de récolter les pommes qu'il y a ici. Comme ça, ça fera un peu de nourriture en attendant que le blé... pousse. Donc en même temps je vais couper cette arme là, je vais supprimer ces buissons et je pense que je vais encore agrandir le champ de 2. Donc là voilà, ils sont en train
de finir de creuser les différentes chambres des différentes personnes, donc on va commencer à les faire. Personal room ici, là. Non, pas une stockpile, non. Un personal room ici, là. Et puis pourquoi pas ici. Et là est ici. Et ici, parce que est ici, ça n'aura pas la même signification. Personal room. Et personal room. Et voilà, il n'en manquera plus que un ici. Ah oui, effectivement, on peut le faire. Bon. Hop, supprimer. On retire ça. Et donc là, Terowin, c'est lui. Alors tout le monde vient de récupérer sa petite chambre, donc j'ai 11 vitoyens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a exactement 11 chambres pour le moment. C'est parfait. Oui, je sais que je pourrais le détruire, ça irait plus vite. Je sais. Mais non. Donc oui, il faut que je fasse de l'humus. Donc, hop. Voilà. Je ne sais pas si c'est le plus intéressant de faire mes champs comme ceci, je dois bien vous le dire. Je ne suis pas certain que ça soit le plus intéressant. Mais ça m'a l'air quand même pas si mauvais que ça comme idée. Bien sûr, il n'y a toujours pas de nourriture. On va récolter les fruits ici. On va récolter les fruits là. Comme ça, ça va faire un peu de nourriture en attendant que j'en produise un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici? Non, ça, on s'en fout. Ça, gathering, pommes. Donc, je veux ça. J'ai 14 pommes en stock, c'est très bien. Je voudrais 5 blés en stock tout le temps, j'en ai 3 pour le moment. Voilà, on plante du blé ici, on plante du blé là. Et on voit ce que ça donne. Voilà, pour le moment, on va garder ça comme ça. Et donc, voilà, on va attendre que ces barils se remplissent. Donc, cet épisode, on va continuer un petit peu l'épisode. Ah, super! Ouh, c'est intéressant ce bug. Je pense que j'ai fait un petit peu de bug exploit. Donc, on va le couvrir comme ça. Je pense que je pourrais cultiver en sous-sol. Ah, éventuellement, il faudrait que j'essaye à un moment ou à un autre. Donc là, ils vont déplacer toute cette partie-là en dessous. On va attendre d'avoir un système de nourriture qui soit un peu moins bancal avant d'accueillir des nouveaux vitoyens. Et dès que le système de nourriture est meilleur, on va accueillir des vitoyens pour tout faire, en fait. Ouais, tout faire. Et puis, assez rapidement, on va aller ici, du côté de la jungle, puisqu'il y a plein de petits Toady et Froggy. Là, il y a un Froggy. Là, il y a un Froggy. Bon, on ira leur péter le pif un peu plus tard. On fera un petit pont ici, et on ira leur péter le pif. Parce que, bon, il faut bien quand même aussi un moment ou un autre leur faire mal. Voilà, donc la nourriture, ça a l'air de partir à peu près comme il faut. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est, si je retrouve où c'est un petit truc à vache. C'est pas là-dedans, c'est pas là-dedans, c'est pas là-dedans, c'est pas ça non plus, c'est ici. Woodwood Cove. On va en faire... on va faire ça. On va faire ça. Ici, un ici, et un là. Comme ça. Oh, merci, je n'arrive pas à voir ton nom, Clifton. C'est hyper gentil de ta part de l'avoir fait super vite. Et tu vas nous faire donc... Frédéric. Il est allé chercher du blé pour le planter ici. C'est super.
Ah non, ou un arbre. Non, il est allé chercher un arbre. Même si ça ressemble beaucoup à du blé, il est allé chercher un arbre. Donc c'est quoi? C'est aussi des planted trees. Donc c'est très bien. Là, je dois être un peu à la galère en bois. Non, c'est pas de là. Ça fait venir. Materials. 9 bois, ça va. 10 bois, c'est pas si mauvais que ça. Et donc, sur ces petites incursions, je vous propose qu'on se laisse pour aujourd'hui. À demain, à tous!